l'équipe Puissance Car de nouveau à Agadir. Ça fait 3 ans qu'on attendait ce retour. Un circuit que l'on avait déjà fait en 2019 pour la qualification justement pour le championnat du monde à Lignano en Italie en 2020. Et on avait réussi une seconde place qui nous avait permis, nous, de pouvoir partir à cette finale mondiale. De retour en 2022 avec l'équipe Puissance Car, préparé tout au long de l'année. Et là, comme en 2019, on arrive en novembre sur le circuit d'Agadir. Quand même cette année, 30 équipes du très très haut niveau. Et ça va être très compliqué, mais l'équipe Puissance Car, on la connaît. On sait sur le circuit mondial ce qu'elle vaut. Il y a beaucoup de pilotes qui sont très en forme. J'ai mon équipe type, Florian Garcia, Anthony Milo, Willem Cotto Nguilé et puis Lucas Schneider, qui a formé le noyau dur de cette équipe cette année. C'est avec eux que l'on va jouer la dernière carte de la qualification. Pilotes qui sont toute l'année travaillent plus côté sportif, ils sont, j'allais dire, dans le milieu qui leur va, là où ils vont pouvoir s'exprimer et puis réaliser la plus haute performance possible. Vous allez le découvrir d'ailleurs bientôt, puisque tout au long du défilé, bah, vous verrez aujourd'hui, cette nuit, demain matin, jusqu'à l'arrivée, vous allez pouvoir un petit peu vous rendre compte de ce que c'est qu'une vraie épreuve sportive avec une équité sportive et puis la sympathie, la gentillesse et l'accueil qu'il y a ici, quoi. Voilà.